vous désirez, monsieur. Maintenant, joignez les mains. Comment vous vous appelez ? André Linoge. On nous a signalé qu'une femme s'était fait assassiner. La vieille Martha Clarendon. Machias, ici Little Toll. Nous avons besoin de la police d'État. Et papa, il craint rien ? Rien du tout. Toi, la ferme ! Je l'avais poussé à se pendre. Poussé à écrire ça, qu'elle tuait discrètement. Où 200 personnes peuvent-elles disparaître comme ça ? Donnez-moi ce que je veux, et je m'en irai. Dites-leur. Le générateur s'est arrêté. Depuis quand, à ton avis ? J'en sais rien. Il y a un bout de temps, vu la température qu'il fait. La neige a sûrement bouché le conduit d'évacuation. Sonny, Henri et toi, vous serez de corvée de viande. Ne prenez que les côtes de bœuf, les dindes et les poulets. Les meilleures pièces sont dans le congèle. Ça sera encore bon ? Avec le froid qu'il fait. Allez, faut se grouiller. La nuit va tomber vite. Quant à nous, on va se contenter des conserves pour l'instant. On fera un autre voyage pour le pain, les patates, les légumes et le lait. Il faut du lait pour les enfants. Mike ! Tu vas en parler aux autres du nom que t'as formé. Avec les cubes des mômes. Tu crois que ça vaut le coup ? J'en sais rien. N'empêche, ça m'a fichu la trouille. Ah, moi aussi, mais je te rappelle qu'on n'est pas encore sortis de l'auberge. Alors vaut mieux garder ça pour nous. Mais Mike ! Dépêchons-nous de charger les conserves. Le temps presse. Qu'à monter retrouver ton mari et ton fils. Mais et les enfants ? Qui a envie de jouer à cache-tampon ? Ouais, maman ! Tu veux que je monte voir si ta maman est à l'étage ? Ou ton papa ? Oui, je veux bien, Madame Bills. Et Ralphie, où il est ? Il était là tout à l'heure. Oh, il est certainement monté avec Denis pour avoir un beignet. Je vais aller voir là-haut. Je te les ramène dans 5 minutes. D'accord. J'en peux plus d'attendre comme ça. Il faut que je la retrouve. Il vaudrait mieux éviter de sortir, Jack. Je sais pas, moi, elle est peut-être en train de mourir de froid là-dehors, à moins de 50 mètres, ça me rend malade. Si jamais tu sors, tu risques de te perdre, toi aussi. Ils entendront le klaxon, ils ne peuvent pas faire autrement, et on va les retrouver. Mais... je vais voir où ils en sont. Hatch a bien dit de... C'est pas Hatcher qui va me dire ce que je dois faire. C'est ma femme, pas la sienne. D'accord, mais ne va pas plus loin que le camion, ne t'aventure pas tout seul dans la neige. Où est Ralphie ? Je sais pas. Il n'est pas monté avec toi ?
Non, il est resté en bas avec les autres. Pourquoi tu cherches Ralphie? Ralphie n'est pas en bas avec les autres enfants? J'ai été occupée, j'ai... Kate nous a fait... Je t'avais demandé de ne pas le perdre de vue. Il a fallu que je... Je t'avais demandé de ne pas le perdre de vue. Hé, hey, parlez-lui sur un autre ton. Plus qu'un voyage. Sonny et Henry, allez chercher le pain et les gâteaux. Videz toutes les étagères. D'accord. Kirk, tu te charges des patates. Prends au moins 100 kilos. Moi, je m'occupe du lait. Allez, on y va. C'est vraiment pas le moment de traîner, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mike, non. C'est Jenny Kingsbury. Je savais bien qu'il était pas avec Donnie Bill. Pippa, est-ce que tu as vu Ralphie? Dis-moi où il est parti. Quel monsieur? Celui que papa a arrêté. Sauf que moi, je trouve qu'il est pas méchant. C'est parce fini, que je sais. Ça va aller. Vous pouvez me le garder, s'il vous plaît. Jonas. Molly. Où tu vas? Où est le monsieur? Je pense qu'il a dû partir tout à l'heure quand je me suis retournée. Il n'y a qu'une porte. Où tu veux qu'il soit allé, espèce de pauvre débile? Toi, tu te tais, sale petit morveux. Où tu as eu ça, Ralphie? C'est le monsieur qui me l'a donné. C'est pour ça que je pense qu'il n'est pas méchant. Parce que les méchants, ça fait pas de cadeaux aux petits enfants. Tu veux bien que maman regarde? Non. Molly, non. N'aie pas peur, maman, il n'y a pas de danger. Tu veux dire que tu sais ce qu'il y a dedans? Tu as déjà regardé? Bien sûr, même qu'on y a joué avec Monsieur Linoche, il a dit qu'elles étaient spéciales. Et puis, il a dit que je devais les partager, qu'elles n'étaient pas que pour moi, mais pour tous les habitants de l'île. À votre place, je n'en ferai rien, Madame Anderson. Nous ne devons pas oublier le rêve que nous avons tous fait cette nuit, et la nature éventuelle de cet homme. Je suis certaine qu'à ma place, vous ne feriez pas. Mais il s'est attaqué à mon fils et je dois absolument en avoir le cœur net.
me dire comment il a fait? Lâche-nous, Sonny. Pourquoi est-ce qu'il s'en prend à nous? Toi qui connais les saintes écritures sur le bout des doigts, même que t'as toujours une citation de la Bible à nous balancer, tu devrais savoir pourquoi c'est sur nous que ça tombe. Tu te rappelles l'histoire de ce pauvre Job dans la Bible? Oui. Ben, je vais te raconter la suite, parce qu'elle n'a jamais été écrite. Une fois que Dieu eut gagné le pari qu'il avait fait contre le diable, Job s'agenouilla et dit à Dieu « Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça à moi? Je t'ai toujours servi du mieux que j'ai pu. Et toi, tu as détruit mes récoltes. Tu as massacré mes troupeaux. Tu as fait mourir ma femme et mes enfants. Tu m'as infligé de terribles maladies. Que tu aies fait tout ça pour gagner un pari? Passe encore. Mais j'aimerais quand même que tu me dises tout ce que ton humble serviteur aimerait savoir, c'est pourquoi moi ?» Job attendait. Et juste au moment où il se disait que malheureusement, le Seigneur ne lui répondrait pas, de gros nuages se sont formés dans le ciel, des éclairs le sillonnèrent, et sa voix se fit entendre. Job, je crois que c'est tout simplement parce qu'en fait tu me tapes sur le système. Ça t'aide à comprendre ? Moi non plus. Angela. Oh, Dieu. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Est-ce qu'il te l'a dit? Il a dit qu'il nous le dirait ce soir. Il a dit qu'on devait tous se réunir et que là, il nous le dirait. Et que s'il y en avait qui refusaient de venir dans l'intérêt de la communauté, ils n'auraient qu'à se rappeler le rêve qu'ils ont fait cette nuit. Et se rappeler également ce qui s'est passé à Roanoke. Et qu'il ferait bien de se rappeler Croton. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Laissez-moi rentrer, j'ai froid. Et puis je vais voir Buster. Allez, viens. Hatch, aucune trace de Bill Timmons? Ni de George Kirby? Non, ni de Madame Kingsbury non plus. Jenny Kingsbury a été tuée. Je le sais, moi, où est ma balle. Le petit garçon l'a mise dans sa poche et l'a emportée. Mais je saurai la retrouver parce que moi, j'ai du flair. Je suis une théière au ventre enflé. Salut, voyons, ça n'est pas l'heure de chanter, je lis une histoire. Un joli bec, lorsque l'on me remplit l'eau. Qu'est-ce qu'il leur prend? Laissez infuser. J'en sais rien. Bien chaud. Je pense qu'ils ont envie de chanter. Ok, tout le monde. Soyez gentils de vous taire et de vous asseoir. Mike, les enfants se conduisent de façon bizarre. Bizarre? C'est-à-dire? Maintenant, je sais à quel point c'est facile.
de se retrouver en dehors de ce monde. J'aurais préféré ne pas le savoir, mais c'est trop tard. Tiens, bois. Bois. J'étais tranquillement là, dehors. Je regardais le phare. Et il m'a emporté. Tu n'as plus rien à craindre, c'est fait. Je me suis brûlé les doigts. Ils sont rouges. Pourtant, ils sont gelés. On peut aller dans un coin plus tranquille si tu préfères. Personne ne t'en voudra. Non, ce que j'ai à vous dire, tout le monde doit l'entendre. Nous vous écoutons, Angie Carver. J'étais en train de regarder le phare qui s'écroulait quand tout à coup, quelqu'un m'a tiré brutalement en arrière. Tout d'abord, j'ai pensé qu'on s'amusait à me faire une blague, mais quand je me suis retournée, ce qui me tenait, ce n'était pas un homme. Ça portait des vêtements d'homme, ça avait même un visage, mais on ne voyait pas ses yeux, seulement deux orbites vides. Il m'a souri, et quand j'ai vu ses dents, je me suis évanouie. Oui, pour la première fois de ma vie, je me suis évanouie. Quand je suis revenue à moi, j'étais en train de voler. Je sais, ça paraît dingue, pourtant c'est la vérité. Oh, et juste devant nous, comme si c'était elle qui nous conduisait, ou comme si c'était elle qui nous faisait voler, il y avait une canne noire avec une tête de loup en argent. Et on avait beau voler vite, la canne était toujours devant nous. Oh, on voyait l'île au-dessous. Il n'y avait plus de tempête. Le soleil brillait. Seulement, il y avait des policiers et des motoneiges partout. La police d'État et puis des agents du FBI, des gardes forestiers et aussi plein de reporters, des stations locales et même des chaînes nationales. Et tous ils se demandaient où on pouvait être. Parce qu'on avait disparu. Dans un endroit où jamais personne ne pourrait nous retrouver. Comme dans le rêve. Oui, c'est tout à fait ça. Puis nous avons atteint les nuages. Je les sentais tout autour de moi. Mais il n'était pas froid, comme on pourrait le croire, non. Seulement humide et moite, comme du coton. Soudain, Georges a compris pourquoi il nous avait emmenés. Il s'est mis à crier. Ce qui a fait que la chose a ouvert son bras droit et... Non ! Moi, il me tenait sous le gauche. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ensuite, il m'a dit qu'il allait me ramener. Me ramener dans le temps, me ramener à travers la tempête. Qu'il allait me laisser vivre. Afin que je puisse vous raconter. Raconter à tout le monde. Que lorsqu'il viendrait ce soir, on devait lui donner ce qu'il veut. Si nous avons quelque chose que cet homme veut, pourquoi ne le prend-il pas, tout simplement? Je crois qu'en réalité, il faut que ce soit nous qui le lui donnions. Après, je me suis retrouvée en train de marcher dans la neige. Et tout à coup, en entendant le klaxon, je me suis dit, le phare doit être encore debout malgré tout, parce que j'entends la corne de bruit, mais je suivais la direction du bruit quand j'ai vu quelqu'un qui marchait vers moi dans la neige, et là, j'ai pensé que c'était lui qui revenait pour m'emporter de nouveau, sauf que cette fois, ce qu'il me ferait, c'est me laisser tomber. Mais ce n'était pas lui, c'était toi. C'était toi, Jack. Mais pourquoi? Pourquoi nous? Peut-être parce que nous avons gardé un secret. Voilà des jeux pour les enfants. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Buster, Heidi, Pippa, Ralphie, est-ce que ça va? Pippa,
Pippa, qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Pippa, dis-moi ce qui ne va pas, chérie. Chérie? Pippa, ma chérie, dis-moi ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui leur arrive? J'en sais rien. Mais leurs yeux sont... Leurs yeux sont vides. Pippa, réveille-toi. Pippa, réveille-toi. Réveille-toi, chérie, je t'en supplie. Réveillez-vous. Oh non. Hé, regardez. C'est un chien. Un toutou en argent. Ouais. Un toutou. Oui, une tête de chien. Qu'est-ce qu'il regarde comme ça? Va chercher Mac. T'es sourd ou quoi? Va chercher Mike! C'est un chien! Ouais! Tu devrais lui trouver un lit et la laisser se reposer. Ouais, je crois que t'as raison. Mike! Il y a un truc pas normal avec les enfants. Buster, salut! Qu'est-ce qui est arrivé à Buster? Angie, il faut que tu te reposes! Angie! Buster, mais... qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Il faut les arrêter! Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Donnie, restez là! Il va falloir vous accrocher, Bills. Le médecin le plus proche est sur le continent, et le vent souffle comme il a jamais soufflé. Où est Ferd? Il a son brevet de secouriste. Ferd Andrews, bon sang, où êtes-vous? Je suis là. Venez ici tout de suite. Il faut examiner mon fils. Allez, poussez-vous, laissez-le passer. Ça suffit, vous allez la fermer? Je me tairai si j'en ai envie. Arrêtez, espèce de gros-là. J'en ai plus qu'à assez de vos airs. Fermez-la, j'ai pas d'ordre d'en recevoir. Je vous dis de la fermer. Robbie, je ne crois pas que Don soit en train de courir le moindre danger. Ni Pippa, ni Ralphie, ni aucun enfant. Alors, ils sont pas morts? Ne dors pas, sinon on arriverait à la réveiller. C'est rien. Oh, c'est rien, mon chéri. Mais qu'est-ce qu'il leur a fait? Je n'en sais rien du tout. S'il vous plaît, les enfants! Ouais! Ouais, 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 ouais.
On dirait que le générateur va bientôt nous lâcher. Oui. C'est déjà un miracle qu'il ait tenu aussi longtemps sans que personne n'entretienne. Une chance que le vent se soit mis de la partie, mais il vient de tourner. En un sens, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la tempête s'éloigne. À première vue, non. Je sais. D'ailleurs, c'est pour ça que Mike veut des bougies. Il y a bien deux lampes de secours dans la salle, mais il a peur que ça ne suffise pas. J'ai réussi à capter une partie du bulletin météo sur onde courte. D'après ce qu'ils disent, on pourra peut-être voir la lune ce soir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Où est Ursula? Tu l'as vue? Elle est au sous-sol avec Sally et les autres. Elle dormait quand je suis remonté. Mais rien à voir avec leur sommeil. Ne t'en fais pas trop, ils finiront tous par se réveiller, tu verras. J'arrête pas de prier pour que ce soit le cas. Pourvu que tu aies raison. Un coup de main? Oui, tu veux bien aller à la cuisine chercher le reste des bougies? J'ai comme l'impression que le générateur va nous lâcher. Sont normaux. Et quand on leur soulève les paupières, leurs yeux réagissent à la lumière. C'est bon signe. Elles rêvent, là. Ils rêvent tous. Où est passé Robbie? Je sais pas. Chercher des bougies. Chérie. Ça ira. Ils ont dit que la tempête devrait pratiquement avoir cessé vers minuit si Linoche compte faire quelque chose. Mais tu peux être sûr qu'il n'en restera pas là. Oh! Bonsoir, Johanna Stanhope. Heureuse que la vieille Pique soit morte, pas vrai? C'est une sacrée faveur que je t'ai faite, hein? Tu as pris une mine de circonstances, mais dans ton fort intérieur, tu jubilais. Je le sais, Johanna. Je le sens comme si tu t'étais aspergée de muscles. Quand cet individu viendra, il faudra lui donner ce qu'il veut. J'ai questionné Dieu là-dessus et sa réponse a été... Nous déciderons en conséquence. Il y a un temps pour l'obstination, Michael, mais il y a également un temps pour lâcher la bride et considérer le bien de tous, même si ce n'est pas facile. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. C'est dans le livre des Proverbes. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'Évangile selon saint Matthieu. Ne vous mêlez pas de ça, on maîtrise la situation. Vous le croyez peut-être, Michael, mais d'autres sont loin d'en être convaincus. Entrez donc, messieurs. Je vous le déconseille, monsieur Anderson, si vous ne voulez pas qu'elle se brûle le visage. La regarderons-nous se brûler? Non! Alors rengainez ça.
Vous avez maille à partir avec le sorcier du coin. Eh bien, je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous servir plus tard, si toutefois plus tard il y a cela va de soi. Le révérend Riggins a deux nièces qui habitent Gastin, de ravissantes enfants. Et elles ont respectivement 9 et 11 ans. Il les aime beaucoup. Un peu trop, peut-être. Elles courent se cacher dès qu'elles aperçoivent sa voiture. Faites-la redescendre! Si vous ne voulez pas voir Madame Stanhope transformée sous vos yeux en gigantesque bougie d'anniversaire, je vous conseille vivement de ne pas prendre la parole sans y avoir été convié. Hatch ferme la porte. Cela vous dérange d'en savoir autant? Ce ne sont pas mes affaires. Vous ne me croyez peut-être pas? Je vous crois, oui. L'ennui, c'est que vous ne voyez toujours que le mal, et jamais le bien. Généralement parlant, le bien n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une fable que les gens se racontent pour arriver à faire taire leur conscience lorsque certains remords les oppressent. Ce n'est pas ce que je pense. Je sais. Vous êtes un modèle d'intégrité. Mais cette fois, j'ai peur qu'il ne faille réviser vos positions. Votre ville est un repère d'adultère, de pédophiles, de voleurs, de crapules, d'assassins, de brutes avides et de sombres crétins imbus de leur personne. Et je sais exactement de quoi ils sont tous capables. Né dans la luxure, adore jouer les ordures. Né dans le péché, aime à se cacher. Qu'est-ce que vous voulez au juste, Linoche ? Je veux que tout le monde aille s'asseoir sur ces bancs. Du moins, pour commencer, nous allons tenir une petite assemblée extraordinaire, et elle aura lieu à 21h précises. Après quoi, ma foi, nous verrons. On verra quoi? Si j'en ai vraiment fini avec vous autres, ou si ça ne fait que commencer. 21h, souvenez-vous, toi, Hatch, elle, le révérend Riggins, Monsieur Robbie Pills... Soyez tous là. C'est le diable! C'est le diable! Ne le laissez plus m'approcher! Je ferai ce que vous voulez, mais ne le laissez plus m'approcher! Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois une solution? On va faire ce qu'il a demandé. C'est le seul moyen, enfin... J'en vois pas d'autre. Il faut aller prévenir Robbie. Qu'est-ce qu'on va faire des enfants? Je m'en occuperai. Je ne veux plus jamais le voir. C'est une méforme. Johanna, non. Il a dit tout le monde. Toi y compris. On va monter les enfants avec nous. On les transportera dans des lits de camp. Viens, Johanna. Chut, chut. Chers voisins et amis, comme vous, je ne sais pas pourquoi on nous a convoqués, mais... Et si vous vous asseyez, pour attendre comme tout le monde? Ce que je voulais dire, Johnny, c'est que je pense qu'on peut trouver un moyen de régler cette situation si on se serre les coudes, comme on l'a toujours fait sur cette île, et...
Davy Hopewell, l'ardeur que tu mets à faire l'école buissonnière devrait faire un beau sujet de rédaction, tu ne trouves pas? Quant à ton père, c'est un voleur. Au cours des 6 dernières années, il a escroqué plus de 14 000 dollars à la compagnie maritime pour laquelle il travaille. Argent qu'il a perdu vite fait. Vu qu'il l'a joué. Papa? Je ne sais pas d'où vous sortez ça, monsieur. Mais c'est faux. Vous mentez! Né dans le vice, joue les novices, hein, Davy? Tel père, tel fils. Oh, Johnny Harriman. Johnny Harriman, le jeune homme qui a mis le feu à la scierie de Machias. J'ai jamais fait ça. Bien sûr que si. Il y a 2 ans, juste après ton renvoi. Kirk t'a donné un coup de main. Pas vrai, Kirk? Après tout, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son pote? 60 personnes au chômage, mais tu t'en fichais éperdument puisque tu tenais ta vengeance. Toi et tes combines, te voilà bien avancé maintenant. Oh, la ferme. Vous pourriez peut-être rendre visite à cet homosexuel que vous avez battu sauvagement. Très chic, tu sais, Jack, le bandeau qu'il porte sur l'œil. Arrêtez avec ça, je vous en prie. Il vit sur Canal Street et fait partie des gens que l'on appelle sans-abri. Je peux vous dire où le trouver. Comme ça, tous les trois, vous pourriez aller prendre des nouvelles de sa santé. Qu'est-ce que tu en penses, Lucien? Tu n'as pas envie de lui crever l'autre œil, histoire de finir le travail? Alex? Né dans le péché, se fait moucher. Robby, pourquoi a-t-il fallu que je meure en compagnie d'étrangers? Tu ne t'es pas encore expliqué là-dessus. Pourquoi a-t-il fallu que je meure en criant ton nom? Au lieu... Que tu me donnes un baiser d'adieu. Pose cette arme. Pourquoi n'expliques-tu pas à tes bons amis où tu te trouvais et ce que tu faisais quand j'ai rendu mon dernier soupir? Je suis sûr que ta femme serait tout particulièrement intéressée de le savoir. Est-ce que vous allez arrêter vos obscénités? Sandra n'écoute pas ce qu'il dit. Tout ça, ce sont des histoires. Regarde! Je vais manger tes yeux. Je vais les manger directement sur ta tête. Oh, rassurez-vous. Il va recouvrer ses esprits d'ici peu. Quoique c'est assez reposant pour une fois de le voir réduit au silence, vous ne trouvez pas? Allons, voyons. Soyez francs. Et que le diable l'emporte. L'heure de vérité a sonné. Je vais donc éclaircir les choses. Pourquoi vous êtes venu? Pourquoi nous? Parce que l'un comme l'autre, on lui tape tout simplement sur le système. Parce que les insulaires savent se serrer les coudes dans l'intérêt de la communauté. Et qu'ils savent garder un secret. C'était déjà vrai sur l'île de Roanoke en 1587 et ça l'est encore aujourd'hui sur Little Toe. Dites-le nous. Arrêtez de tourner autour du pot, dites-nous ce que vous voulez. Vos enfants sont ici avec vous, tout en n'y étant pas vraiment. Il en va de même pour moi. Une partie de moi est avec eux. Regardez. Jack, il a enlevé Buster! Oh mon Dieu! Ils sont tous là!
Et si jamais je les lâche... Vous pouvez leur dire adieu. Vous assisterez à leur fin, ils s'éteindront brusquement. Comme des bougies soufflées par le vent. Je vous en prie, ne faites pas de mal à ma Sally, monsieur. Elle est tout ce qui me reste maintenant que Pete est mort. On vous donnera ce que vous voulez, quoi qu'il nous en coûte, c'est vrai, je vous le jure. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-le nous. J'ai vécu longtemps, des milliers d'années. Mais je ne suis pas un dieu, pas plus que je ne suis immortel. Vous me voyez actuellement tel que je suis en réalité, à savoir vieux et malade, pour ne pas dire mourant. Selon vos propres critères, il ne me reste plus beaucoup de temps devant moi. Mais je serai encore là à parcourir la Terre alors que les plus forts et les plus jeunes d'entre vous, Davy Hopewell par exemple, ou bien encore le jeune Don Bills, seront déjà dans leur tombe. Mais selon les lois qui régissent mon existence, il est indéniable que le temps m'est compté. Vous désirez savoir ce que je veux ? Non. Je veux quelqu'un que je puisse élever comme un fils. Quelqu'un à qui je puisse transmettre tout le savoir que j'ai acquis. Quelqu'un qui poursuivra mon œuvre lorsque je serai dans l'incapacité de le faire moi-même. Je veux un enfant. Un parmi les 8 qui se trouvent dans cette pièce. Non. Non. Jamais. Peu importe lequel, à mes yeux, ils se valent tous. Donnez-moi ce que je veux, donnez-le-moi librement. Et je m'en irai. Jamais. On ne vous donnera jamais, quoi que vous fassiez, un de nos enfants. Jamais. Nike, qu'est-ce que tu fais? Je t'interdis de me toucher. Vite, attrapez-le! Empêchez-le ou je laisse tomber les enfants et soyez sûr que je ne plaisante pas. Je t'en prie, arrête. Lâchez-moi! Il faut écouter ce qu'il a non, à dire, non, il Mike. Faut pas l'écouter. Ce serait la pire des choses à faire. Arrête, Mike. Arrête ou je te flanque mon poing sur la figure. Molly. Molly. Jerry, je crois qu'on n'a pas le choix. Nous devons l'écouter. Je ne peux rien vous prendre, mais je suis en mesure de vous infliger une punition. Et croyez-le, je connais bien des punitions. Donnez-moi un des enfants qui dorment là-bas, que je fasse son éducation et je vous laisserai en paix. Il ou elle vivra longtemps, beaucoup plus longtemps que ceux qui dorment à ses côtés. Donnez-moi ce que je veux et je m'en irai. Refusez-le-moi et le rêve que vous avez tous fait cette nuit s'accomplira. Les enfants tomberont du ciel et tous les habitants de l'île seront précipités deux par deux dans l'océan. Et quand la tempête sera finie, cette île sera dans l'état où on a trouvé celle de Roanoke, abandonnée. Déserte. Je vous accorde une demi-heure. Discutez-en. Et puis, choisissez. Je déclare la séance ouverte. Je pense que le mieux, c'est de traiter cette affaire comme nous traiterions n'importe quelle affaire communale. Après tout, il s'agit bien d'une affaire communale.
Une objection à formuler ? Bien. La question à débattre, c'est de savoir si nous allons donner à cette... cette chose qui est arrivée parmi nous, un de nos enfants. Elle a dit que si nous lui donnons ce qu'elle veut, elle s'en ira. Et qu'elle nous tuera tous, y compris les enfants, si on refuse. Ce compte-rendu est-il fidèle ? Oui. Très bien. Est-ce que quelqu'un parmi vous désire prendre la parole ? En fait, on n'a pas vraiment le choix, si on croit qu'il peut mettre ses menaces à exécution. Et toi, tu crois qu'il le peut ? C'est la question que je me suis posée. Je le crois. Je le crois. Roberta Coyne vient de soulever un point essentiel. Combien d'entre vous pensent que Linoge n'a pas menti ? Qu'il anéantira tous les habitants de l'île si nous refusons de nous plier à ses exigences ? Il ne s'agit pas de savoir ce qu'on va faire, il s'agit de savoir si on croit qu'il est capable de... Je sais, j'ai compris la question. Seulement si on envisage les choses sous cet angle, tu peux être certaine qu'il obtiendra ce qu'il veut. Parfait. Oui, à la majorité, moins une voix. Ce point-là est donc réglé. Maintenant, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur la question qui nous préoccupe ? Oui, moi, j'ai quelque chose à dire. C'est votre droit, vous êtes un de nos contribuables, vous avez donc la parole. Non. Il n'a rien d'humain. Je n'ai pas levé la main, et pourtant je partage entièrement votre opinion. Je suis votre shérif. Vous m'avez élu pour que je fasse respecter la loi, et j'ai vu. Oui, j'ai vu ce qu'il a fait à Martha Clarendon. Ce qu'il a fait à Pete Gozzo. Et j'ai vu ce qu'il a fait à nos enfants. Alors je suis bien placé, peut-être même mieux placé que vous tous, pour mesurer toute l'ampleur de ces menaces. Néanmoins, on ne confie pas des enfants à un suppôt de Satan. Est-ce que c'est clair dans votre tête ? Des enfants, ça ne se donne pas ! Tu crois qu'on a le choix ? Qu'est-ce qu'on va faire, Mike ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Dis-nous ! Lui tenir tête et se battre. On va se battre côte à côte, coude à coude, et lui dire non ! D'une seule voix. Nous allons mettre en pratique ce qui est écrit au fronton de cette salle. Avoir foi en Dieu et en notre prochain. Après ça, peut-être qu'il s'en ira. Comme s'en vont les tempêtes une fois qu'elles ont épuisé leurs forces. Rendez donc à César ce qui est à César. L'évangile selon saint Matthieu. C'est vous-même qui l'avez dit, Michael, pas plus tard qu'il y a une heure. Passe derrière moi, Satan, tu me fais obstacle car tes vues ne sont pas celles de Dieu. Encore saint Matthieu. Si nous lui donnons, comme il le demande, un enfant, un de nos enfants, comment pourrons-nous vivre avec ça ? Si toutefois il nous laisse la vie sauve. Par la grâce de notre Seigneur. On vit tous avec nos fautes, Mike. À moins que tu ne sois différent. Oh, Jack, non ! Je ne suis pas différent. Seulement, là, il ne s'agit pas d'un examen durant lequel on aurait triché ou du mal qu'on a pu faire à un pauvre innocent. Cette fois, il s'agit de... d'un enfant. Est-ce que tu peux comprendre ça, Jack ? Michael, supposons qu'on tente ensemble de s'en débarrasser, supposons qu'on fasse front commun, qu'on unisse nos forces, et que dans un bel ensemble on lui oppose un non catégorique. Supposons qu'en faisant ça, cette chose disparaisse et reparte enfin là d'où elle vient. Vous avez vu nos enfants ? Franchement, je ne sais pas ce qu'il a bien pu leur faire, mais je n'ai pas le moindre doute. Ce que l'on a vu tout à l'heure par la fenêtre, c'est bien ce qui va leur arriver. Nos enfants tomberont. J'en suis convaincu.
Tout ce qu'il aura à faire, c'est secouer sa fichue canne et les enfants tomberont. Comment ferons-nous pour vivre avec ça, je vous le demande. Il peut très bien bluffer. Il ne bluffe pas, Michael. Et tu le sais bien. Tu l'as vu faire. Tu parles comme si on allait tuer cet enfant, Michael. Comme si on allait se prêter à une sorte de sacrifice humain. Mais je vois plutôt ça comme une adoption. Et il aura la chance de vivre longtemps. J'y crois. Si on le croit, bien entendu. Et je vous dirais que moi, j'ai tendance à le croire. Franchement, je sais pas quoi dire. J'en crois pas mes oreilles, vous. Linoges a tué Martha Clarendon à coups de canne. Il lui a arraché les yeux avec le pommeau de sa canne. Et nous, on est en train de débattre sur le fait de donner un de nos enfants à ce monstre sanguinaire. Autant vendre tout de suite notre âme au diable. Est-ce que tu veux savoir à quoi je suis en train de penser, Michael? Suppose que t'es à moitié raison. Suppose qu'on vive et qu'il meure. Est-ce qu'on pourra vivre avec ça? Est-ce qu'on pourra encore vivre ensemble? Et comment est-ce qu'on pourra vivre avec toi? Il nous a donné une demi-heure. Il nous reste 10 minutes, pas plus. On ne peut pas faire ça. Enfin, essayer de comprendre. On ne peut pas le laisser nous enlever un de nos enfants. On ne peut pas cautionner ce genre de... Tu nous as suffisamment exposé la façon dont tu vois les choses, Mike. Assieds-toi maintenant. Sonny, si... Mike, on va en discuter entre nous. D'accord. D'accord. Il faut que vous pesiez le pour et le contre. Vous devez examiner tout ça soigneusement et bien réfléchir. Je vais aller voir comment va Ralphie. Est-ce que l'un d'entre vous a un commentaire à faire? Que Dieu nous pardonne, donnons-lui ce qu'il demande. Qu'il prenne ce qu'il veut et qu'il nous laisse tranquille. Même s'il me prend Sally, je préfère 100 fois qu'elle vive avec un homme malfaisant plutôt que de la voir mourir. Mon Dieu, Mike, tu n'as pas de cœur. Ce sont des enfants! On ne peut quand même pas le laisser les tuer tous les 8. Quelqu'un d'autre? Non. Je vous en prie. Je vous en prie. Ursula, je t'en prie. Hatch, Jack, Robbie, tout le monde... Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne vous laissez pas entraîner. Vous irez tous brûler en enfer. D'accord, je demande que le vote soit uniquement réservé aux parents. Ils sont tous citoyens. Non. Au même... Non, ce n'est pas juste. J'ai élevé ma fille toute seule. Oh, je ne dis pas que vous ne m'avez pas aidée. Non, tout le monde m'a aidée, de même que ta femme et toi, Mike. N'empêche que je suis son seul parent. Je ne devrais pas avoir à prendre toute seule une décision de cette importance. À quoi sert la communauté sinon à s'entraider dans les moments difficiles? Et lorsque, d'un côté comme de l'autre, le choix qu'on nous propose est un crève-cœur. Bravo, je l'aurais pas mieux dit, Linda. Qu'est-ce qu'on attend? On n'a qu'à voter, qu'on en finisse. Pose la question, Robin. Oui, c'est pose ça. La question. D'accord. Allez-y, votez, mais que ce soit bien clair. Mon fils ne sera pas mêlé à tout ça. Pourquoi? C'est compris? Il est hors de question que mon fils soit mêlé à cette aberration! Au contraire. On a toujours fait face à nos responsabilités, Michael. On a toujours pris une part active à la vie de cette île, et on va faire pareil aujourd'hui. Tu n'es pas sérieuse, Mike. Tu n'es pas sérieuse. Je le suis, Mike. Je vois. Puisque c'est ça, allez tous vous faire voir. J'emmène mon fils et tous les deux, on s'en va. Mike, arrête, t'as pas le droit. Je veux la paix, Sally. Hatch, aide-moi. Arrêtez, ne lui faites pas mal.
Calme-toi. Calme-toi, Michael. Michael. Ouais. D'accord. Je m'assieds. Mike. Mon chéri, tu... Ne me touche pas. Ça te paraîtra évident, tu comprendras. Tu verras que c'est la seule solution. Quoi, au nom d'un sacro-saint principe, tu veux qu'on meure tous? Avoue que ça demande réflexion. Et si c'est Pipa qui nous emmène avec lui? Si c'est le cas, je me dirais qu'elle a eu une maladie infantile. Qu'elle est morte sans que personne ne puisse le prévoir ni l'empêcher. Et je m'en persuaderai. Mais Linda et moi, on finira par y croire. Silence! 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 Nous allons passer au vote. Allons-nous, oui ou non, donner à M. Linoge ce qu'il veut dans l'espoir qu'il tienne sa promesse de nous laisser en paix? La décision vous appartient. Que ceux qui acceptent cette proposition lèvent la main. Je suis le père de Harry. Et je vote oui. Moi, je suis sa mère et je vote oui. Je vote oui. Carla et moi, on vote oui. Oui. Oui, on n'a pas le choix. Pas le choix. Je vote oui, vu que c'est le seul moyen. Moi aussi. En perdre un, ça vaut mieux que de les voir mourir tous. Je vote oui. Qui est contre? Unanimité, moins une voix. La motion est acceptée. Avez-vous pris votre décision? Oui, nous l'avons prise. Le vote vous est favorable. Excellent. Vous avez fait le bon choix. Vous avez triomphé de cette épreuve, mes amis. Et malgré ce que votre shérif a pu vous dire, vous avez fait le bon choix, celui qu'il fallait faire. La seule chose que des personnes aimantes et responsables pouvaient décemment faire en de telles circonstances. Ceux-ci sont les pierres du destin. À l'aube de ce monde, elles étaient déjà anciennes. Longtemps avant que l'Atlantide ne devienne un continent englouti, on s'en servait déjà pour consulter l'oracle. Il y a 7 pierres blanches dans ce sac, et seulement une noire. Vous avez hâte que je disparaisse, je comprends. Et je ne vous en veux pas. Que l'un ou l'autre des parents de chaque enfant veuille bien s'avancer. Et finissons-en.
C'est on ne peut plus simple. Chacun d'entre vous tirera une pierre et la gardera dans sa main jusqu'au tirage de toutes les pierres du sac. L'enfant dont le parent aura tiré la pierre noire viendra avec moi pour devenir, au fil du temps, mon fils spirituel. Madame Robichaud. Julie, veuillez en tirer une? Vas-y, chérie. Tire-en une. Madame Hatcher? C'est trop dur, Robbie. Fais-le toi. Courage. Tire-en une. Mesdames. Toi d'abord, Molly. Non, toi, s'il te plaît. Eh bien, mes amis, jusqu'ici, tout s'est très bien passé. Voyons, qui a le courage d'ouvrir sa main, de surmonter sa peur et de se laisser envahir par le voluptueux soulagement qui viendra la remplacer? Allons, vous n'êtes pas sans savoir que Dieu n'aime pas les lâches. Buster, je t'aime. Ouvre la main, Sandra, vas-y, ouvre. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je sais que c'est Denis, je sais que c'est lui. J'ai jamais eu de chance dans la vie. Blanche. Je t'en supplie, Seigneur. Aie pitié de moi. Fais que ce ne soit pas mon Heidi. Blanche. Madame Robichaud. Julie. Papa. J'ai cru que j'y arriverais, mais c'est au-dessus de mes forces. Je suis désolée. Monsieur Bright. Henri? Voudriez-vous nous faire voir ça? Oh,
Non! Non! Michael! Non! Non! Arrête! Non! 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 Pippa, maman est là, ma chérie. Maman est là, ma chérie. Mike. Oh. Non. Oh non, pas lui. Vous ne pouvez pas emmener mon fils. Je compatis à votre douleur, Molly. Mais vous avez accepté les termes du contrat. Non, vous avez triché. Vous avez truqué la partie. Je vous assure qu'il n'en est rien. La partie, comme vous dites, s'est déroulée dans les règles. Et comme je pense que les adieux qui se prolongent ne font qu'accroître la peine... Vous n'avez pas le droit. Mes très chers amis et habitants de Little Tall, je vous remercie d'avoir répondu à ma demande. Je déclare que la séance est maintenant levée et j'ajouterai en conclusion que si vous savez garder le secret vis-à-vis de notre arrangement, vous ne pourrez que mieux vous en porter. Quoi qu'en fin de compte, c'est à vous qu'il appartient d'en parler ou non. Sur ces mots, je vais chercher mon nouveau protégé et vous laisse à vos pensées. Puisse-t-elle vous combler de bonheur? Reculez, reculez, reculez! N'hésitez plus de me toucher, je vous interdis de m'approcher, tous autant que vous êtes. Il y a combien de temps que Mike et vous n'avez pas dormi dans le même lit? 5 mois. La dernière fois, c'était la veille de la tempête. La tempête du siècle.
Celle au cours de laquelle vous avez perdu votre fils? C'est exact. Quand j'ai perdu mon fils. Et Mike vous rend responsable de sa disparition? Je crois qu'il a l'intention de me quitter. Et est-ce que cela vous fait peur? Il n'a plus aucune raison de rester. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Molly, racontez-moi encore ce qui est arrivé à Ralphie. On en a déjà parlé 100 fois, il a disparu. À quoi ça sert de rabâcher ça? De ressasser cette histoire? La tempête faisait rage, c'était le 2e jour, on s'était réfugié à l'hôtel de ville. Vous ne savez pas à quel point ça a pu être atroce. Je m'en souviens. Oui, seulement vous, vous étiez à Machias, et c'est différent sur une île. Sur une île, ça n'a rien à voir avec le continent. On n'aurait jamais dû sortir. Surtout les enfants. On avait sous-estimé la tempête. Plusieurs personnes se sont aventurées dehors et elles se sont perdues. Ralphie était avec elle. Seule Angie Carver a réussi à retrouver son chemin. Mike. Si tu veux me parler, dépêche-toi. Le ferry s'en va dans 20 minutes et j'ai l'intention de le prendre. Où est-ce que tu vas? Mike, écoute, ne t'en va pas. Si ça peut t'aider, je peux te dire que je n'ai pas vraiment fermé l'œil depuis le mois de février. Si ça peut t'aider, je peux te dire aussi que... qu'on a peut-être eu tort. Il faut que j'y aille, Hatch. Robbie m'a dit de te dire que la place de shérif était de nouveau à toi, si tu voulais. Il te suffit de la demander. Non, je m'en vais. J'ai essayé, je t'assure, j'ai fait ce que j'ai pu. Et Molly, dans tout ça, t'as vu dans quel état elle est? Est-ce que t'as même pris le temps de la regarder? Tu vas le faire pour moi, d'accord? Ouais. Mais Linda ne va pas très bien, elle non plus. Elle est sous antidépresseur et je crois bien qu'elle ne peut plus s'en passer. C'est dommage. Mais toi, au moins, tu es ta fille. Tu as peut-être des insomnies, mais... tu peux toujours aller voir Pippa dans sa chambre et la regarder dormir. Toutes les nuits, si tu veux. Hein, Hatch? Bonne chance. Il est allé se perdre dans le blizzard. Il a peut-être fini par tomber sur Bill Timmons et... c'était le pompiste de l'île. Je voudrais tellement qu'il ait trouvé quelqu'un de gentil. Je pense qu'ils se sont perdus et puis qu'ils se sont noyés dans l'océan. Ce sont les seuls qu'on n'a pas retrouvés. Il y a certaines choses que vous passez sous silence, n'est-ce pas? Tant que vous ne vous en ouvrirez pas à quelqu'un, elles continueront de vous ronger. Quoi que je fasse, elles me rongeront toujours. Certaines blessures ne peuvent pas guérir, j'en avais pas conscience avant, mais maintenant je le sais. Molly, pourquoi votre mari vous déteste tant? Qu'est-il arrivé réellement à Ralphie? Il s'est perdu dans la tempête. Ça arrive, vous savez. Il y a des tas de gens qui se perdent. C'est ce qui est arrivé à Ralphie. Il s'est perdu dans la tempête. Perdu à tout jamais.
C'était il y a 9 ans. J'ai fait le plein d'essence et j'ai pris le ferry. Je ne suis jamais retourné là-bas. Tout ce qui comptait, c'était de prendre des distances. Et chaque kilomètre au compteur m'éloignait un peu plus de Little Town. Molly a gardé le compte en banque, le magasin, la maison et un petit bout de terrain qu'on avait à Vanceboro. Moi, je me suis contenté de mon blouson, en paix avec moi-même. Enfin, presque. J'ai atterri ici, toujours au bord de l'eau. L'ironie de la vie, sans doute. Mais c'est pas pareil ici, c'est le Pacifique. Il n'y a pas cette lumière crue qui annonce l'arrivée prochaine de l'hiver. Et je n'y ai pas de souvenirs. Oh, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'aller chez lui. J'ai repris mes études, décroché un diplôme de droit. J'ai même envisagé de passer ma licence. Et puis j'y ai renoncé. Débuter comme commerçant sur une petite île du bout du monde et finir agent fédéral, qui l'aurait cru? Parfois, l'île me paraît loin, très loin. Et André Linoge semble faire partie d'un mauvais rêve. À d'autres moments, quand je me réveille la nuit en sursaut, en m'empêchant de hurler, elle me paraît toute proche. D'autant que, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai gardé le contact avec les gens de l'île. Melinda Hatcher est morte en octobre 90. Le journal a parlé d'une crise cardiaque. Ursula m'a envoyé l'article. Je ne sais pas si c'est bien la vérité. 35 ans, c'est jeune pour que le cœur vous lâche. Mais ça peut arriver. Molly et Hatch se sont mariés en 93. Ursula m'a également envoyé l'article. D'après ce que j'ai compris, ils forment un joli couple. J'en suis heureux. Je leur souhaite tout le bonheur du monde, et ce, du fond du cœur. Sur Little Tall, tout le monde n'a pas eu autant de chance. Jack et Angela ont divorcé 2 mois après le mariage de Molly et Hatch. Jack s'est battu pour avoir la garde de Buster. J'ai l'impression que ça s'est mal passé. Il a perdu. Il a quitté l'île pour aller habiter à Livingston, dans un meublé. Il s'y est suicidé une nuit d'été en 1994. Il a légué le peu de biens qu'il possédait à un certain Harmon Broski, un type qui a perdu un œil durant une bagarre. Robbie Bills a reconstruit le hangar à poissons et en 96, il a engagé Kirk. Kirk raconte que par une belle matinée de printemps, il a vu arriver Sandra, la femme de Robbie, en ciré et bottes de caoutchouc. Elle lui a dit qu'elle voulait faire une balade en bateau. Kirk l'a obligée à mettre un gilet de sauvetage parce qu'il l'a trouvée bizarre. D'après lui, elle avait l'air de rêver tout éveillée. Mais qu'est-ce qu'il pouvait y faire? Le temps était au beau fixe, il n'y avait pas de houle, et puis surtout c'était la femme du patron. On a retrouvé le bateau, mais aucune trace de Sandra. Il y avait tout de même une chose curieuse. Mais personne n'a compris ce que ça voulait dire. Seuls les habitants de Little Tall auraient pu fournir un semblant d'explication, mais ils savent garder un secret. Comme celui que j'ai partagé avec eux en 89. Et que nous n'avons révélé à personne. Dans la vie, chacun doit payer son dû. Parfois, ça ne vous coûte pas grand-chose, mais parfois, on paye le prix fort. Et il arrive qu'on vous dépossède de tout ce que vous avez. C'est une leçon que je croyais avoir apprise il y a 9 ans, au cours de la tempête du siècle. Et je me trompais. À l'époque, je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Ce n'est que cette semaine que la leçon s'est terminée. Ralphie.
Alfie! J'aurais pu écrire à Molly pour le lui dire, j'y ai pensé. Je me suis même longuement interrogé là-dessus. Face à un cruel dilemme, comment savoir quel choix sera le moins douloureux? Finalement, j'ai gardé ça pour moi. Quelquefois, le plus souvent la nuit, quand je n'arrive pas à trouver le sommeil, je me dis que j'ai eu tort. Mais quand vient le jour, je sais que j'ai fait le bon choix. Quand vient le jour, je sais que j'ai fait le bon choix.